Radio. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une nouvelle vidéo et la vidéo du jour se consacrera sur la nouvelle arrivée de chez Tsar, j'ai nommé la Tsar Nitro NX. Donc pour entrer directement dans le vif du sujet à propos donc de cette Nitro NX, je vais directement parler du packaging. Alors on va se retrouver sur une petite boîte cartonnée qui fait office de boîte de transport. Donc à l'intérieur, vous allez retrouver... Alors, vous allez avoir un foyer Tsar Clips, le même foyer qui est compris pour la monotopix. Un petit foyer en céramique qui vous permettra de faire des sessions de 45 minutes à peu près. C'est un foyer que je vous recommande de changer, ou à part pour les personnes qui veulent fumer des petites sessions, ça fera l'affaire. Pour les personnes qui cherchent des plus longues sessions, je vous conseille de changer. Dans le pack, nous avons également compris un silicone soft touch qui sera un peu plus court au niveau des, au niveau de la taille par rapport à un silicone classique. L'avantage de ce silicone, c'est que contrairement aux modèles de transport, généralement vous trouvez des silicones par exemple type Audioman qui ont vraiment un tout petit débit, franchement très, très chiant à utiliser, vous avez vraiment zéro sensation, vous n'avez pas un gros débit. Tandis que là vous avez un silicone de taille standard, juste un peu plus petit au niveau des dimensions, voilà, bon, il est là comme ça, il ne faut pas non plus un silicone qui fait 3 mètres. Et également, vous allez pouvoir retrouver un petit manche finger en aluminium, siglé Tsar. Avec un petit débit, voilà, débit constant pour ce genre de chicha. Vous avez une petite chicha, pas la peine de mettre comme moi un manche Steam, même si en termes de confort de session c'est beaucoup plus appréciable. Vous avez quand même un manche qui est compris dans la chicha et il a le mérite d'être là. Donc pour rentrer dans les caractéristiques physiques et techniques donc de cette chicha, je vais commencer par le bas et je vais tranquillement remonter au niveau du sommet donc de la chicha. Donc pour parler du vase, on se retrouve sur un vase en borosilicate. Je rappelle, c'est une chicha à 60€, rarement sur les vases qui sont en borosilicate. Donc le borosilicate, c'est quoi? C'est un vase qui est résistant au choc et aux variations de température. Pour une chicha à 60€, ça a le mérite d'être là. Au niveau des matériaux donc de la chicha, c'est de l'aluminium. Au niveau de la qualité définition des pas de vis, c'est très très propre, comme vous avez pu voir dans les extraits précédents de la vidéo, que c'est super bien usiné pour une chicha de ce prix. Au niveau du cendrier, le petit défaut que je vais trouver à dire, c'est que c'est pas un cendrier fixe, voilà, ça bouge. Bon, ça viendra se loger directement avec le connecteur foyer, ça vient se glisser tout autour de la chicha. Et au niveau du connecteur, voilà, vous êtes sur un connecteur foyer standard qui sera adaptable à n'importe quel type de foyer. Donc pour parler du tirage de cette chicha, le diffuseur est amovible, vous pouvez le visser et le dévisser pour changer un tout petit peu le remous et la sensation de tirage de votre chicha, tout simplement, de votre session. Je vous conseille plus de le laisser, voilà, parce que c'est vraiment un petit plongeur. Je pense pas que vous pouvez vraiment vous amuser à fumer à 100, je pense que le tirage ne doit pas être incroyable, il faudrait que je teste à voir hors vidéo. Donc au niveau du diffuseur, avec le tirage, on se retrouve sur un tirage qui est très silencieux, très nerveux, plus ou moins ressemblant au tirage de la Motafix en plus fluide. Donc en termes de silence et en termes de tirage, voilà ce que ça donne. Donc voilà, on se retrouve vraiment sur un tirage qui est silencieux et qui satisfera toutes les personnes qui se posent avec leur chicha et qui aiment bien regarder un film tranquillement sans entendre le gros glouglou de leur chicha. Pour parler de l'un des atouts majeurs donc de cette chicha, je vais parler de la purge. Donc vous vous retrouvez sur une purge qui est très très originale pour un modèle à 60€. Vous avez une purge qui est située juste sous l'assiette. Donc ce sera une soupape dite en douche. Comme vous voyez vos pommeaux de douche, l'eau s'écoule vers le bas, ce qui est totalement logique. Là vous avez à peu près le même système de purge pour votre chicha, je vais vous montrer. Donc comme vous pouvez voir, le résultat est plutôt satisfaisant et agréable à regarder. Donc voilà, vous avez une purge qui fait très très bien le travail. Pour une chicha à 60€ qui n'a pas forcément une bague pleine, ça fait très très bien le travail, ça vide l'intégralité de la fumée. Donc pour les puristes qui aiment bien vider l'intégralité du vase et de leur fumée, c'est un modèle qui vous conviendra parfaitement déjà à ce niveau-là. Gros point donc que je tenais également à mettre en avant, vous avez une très grosse partie custom donc sur cette chicha. Tsar a vraiment pensé à pas mal de choses, comme un peu sur la Molotov X pour les personnes qui ont connu ou qui ont regardé les vidéos.
Par la suite, vous avez eu les psychopaths qui ont été disponibles, psychopaths custom Molotov X, où vous pouvez changer certaines parties donc de la chicha. Là, ça va être plus ou moins la même chose. Chaque partie de la chicha, que ce soit le cendrier, que ce soit la partie purge, la partie bague, peut s'acheter à part. Donc vous allez vraiment pouvoir vous amuser au niveau du custom à faire des coloris un peu différents. Par exemple, si vous kiffez les Marvel, vous pouvez faire les coloris Iron Man, Spider-Man, Captain America, Joker, etc. J'en passe. Voilà, libre à vous et à votre imagination de concevoir la chicha comme vous le souhaitez. Donc pour parler des points positifs et négatifs donc de cette chicha, je vais commencer par les points positifs. Donc au niveau des matériaux et des finitions, dans l'ensemble, c'est très bien réalisé. Vous avez un vaseur borosilicate, de l'aluminium au niveau des connecteurs et des parties colonnes, etc. de la chicha qui sont très très bien usinées. C'est un gros point que je vais mettre en avant pour une chicha à 60€. Second point que je vais trouver agréable, le tirage qui est très très agréable. Un tirage qui est nerveux, qui demande zéro difficulté et qui est très silencieux. Et troisième point que je vais également mettre en avant, ça va être la purge. Donc comme vous pouvez voir et comme j'ai dit dans les extraits précédents, que j'ai fait un petit débrief sur la purge, vous avez vraiment une purge qui est très très originale pour un modèle à 60€. Et c'est pour ça donc que je le mets dans mes points positifs. Au niveau des points négatifs, je vais trouver à redire le système de l'assiette qui n'est pas fixe, qui me dérange légèrement, on va dire, c'est vraiment pour trouver un point négatif à dire dessus. Et au niveau du vase, sur le sommet du vase, donc c'est une connectique à joint, j'ai oublié de le préciser. Quand vous allez plug votre chicha comme les mini-mia, etc., au niveau du vase, il va vraiment falloir faire attention. J'y étais de façon un petit peu brusque la première fois parce que j'ai oublié ce genre de chicha, que ça pouvait être fragile au niveau de la connexion. Je vous conseille pas de rentrer entre guillemets la colonne en faisant tac 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 comme ça, en l'enfonçant fortement. Je vous conseille vraiment de le faire pivoter tranquillement au niveau du joint et vous n'aurez pas de soucis là-dessus. Donc pour revenir aussi au niveau du vase, beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi la chicha c'est un système de joint, pourquoi ils n'ont pas fait un clic comme la Molotov X, etc. Tout simplement parce que le vase, voilà, si vous allez le casser, ça va être la perte de 10-15€ grand maximum. Tout simplement parce que vous n'avez pas une bague. Beaucoup de personnes se sont plaint entre guillemets des Molotov X parce qu'ils devaient recoller leur bague, etc. ou ce genre de choses. Là, voilà, c'est du plug and play. Vous pluguez directement votre chicha dans le vase et voilà, c'est réglé. Et quand vous allez, admettons que vous allez casser votre vase, c'est pareil, vous réceptionnez votre vase. Vous mettez l'eau, vous pluguez directement la chicha et boum, le tour est joué et vous pouvez profiter de votre session. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Je pense vraiment avoir fait le tour sur cette petite Sarlintro NX. Si vous voulez un peu plus de détails au niveau des coloris de la chicha, etc., plus de spécificités au niveau de ce modèle et rentrer vraiment plus dans les détails, je vous invite à aller regarder la vidéo du frérot Jackson. Il a fait une vidéo entre 15 et 20 minutes où il a donné vraiment toutes les spécificités et vous a vraiment donné tous les points pour le custom où il est vraiment rentré dans le détail. Donc voilà, si vous voulez plus d'ample information sur ce petit modèle, ce petit karting comme j'aime bien l'appeler, allez regarder sa vidéo qui est très très bien expliquée où il y a vraiment tous les détails. Donc voilà les amis, on va se quitter sur cette dernière latte. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo, ça me ferait grandement plaisir et on se retrouve à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, peace.